Je conclus en disant que si tout ce que nous faisons, c'est aider économiquement la Tunisie, eh bien, nous trouverons face à un pays au bord de l'explosion très très bientôt. Où on dit très clairement à ce président bizarre, à cet autiste, qu'il n'écoute personne, que la seule aide qu'il recevra, ce sera une aide qui sera subordonnée à un dialogue inclusif, réel avec les véritables forces du pays et pas avec celles qu'il décide. Si on ne fait pas cela, eh bien, demain, ce sera là-bas la Libye. Merci. Je dois apporter une brève observation. Tu as utilisé un certain nombre de termes pour décrire le président de la Tunisie. Je te demanderai de revoir ta position, de les revoir. Je dois rappeler au président de cette commission qu'il faut essayer d'éviter, vis-à-vis des chefs d'État d'autres pays, des formulations qui pourraient être considérées comme étant offensantes. Un autiste, c'est une personne qui n'écoute personne, qui n'écoute que lui-même. Et ce président n'écoute personne.